The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Lezione di cinema Montreal di Sergio Castelletto. Et toi, Sergio, quand as-tu envie de devenir acteur? Quel a été l'élément déclencheur dans ton cas? On a envie toujours de comprendre, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Nous, on dit, je ne sais pas s'il y a une version française de ça. Quando sei ragazzi non sei né carne né pesce, non sei, tu ne sais pas che ce que tu es, si tu es de la viande o du poisson. Et alors, je pense que j'étais destiné à une vie, disons, traditionnelle du point de vue de la profession, tout ça, je n'appartiens pas à une famille d'artistes, même s'ils sont tous un peu particuliers chez moi. T'as envie de casser quelque chose dans ta vie? Non, et alors, ça dépend aussi de qu'est-ce que tu vas rencontrer dans ton chemin, tout ça. J'ai eu de la chance, parce que j'ai rencontré des jeunes amis qui fréquentaient l'Académie nationale d'art dramatique. Et là, j'ai commencé un peu comme ça, par hasard, parce que j'étais malheureux, parce que je faisais dans ces moments de la vie. Mais j'ai toujours pensé que c'est un peu un hasard, ça, c'est un peu comme ça. Parce que le vrai amour pour ce métier, il est arrivé après, il est arrivé le faisant. Je ne pense pas que j'avais une vocation naturelle au début. La vocation naturelle, c'est névrose, que c'est la chose qui fait partir. Peut-être tous les artistes, tous les gens qui sont que ont besoin de communiquer quelque chose de particulier. Entre le théâtre et le cinéma, lequel te donne le plus de plaisir et quelle différence tu vois entre le théâtre et le cinéma en tant qu'acteur? Tout ça. Moi, j'ai commencé avec le théâtre parce que j'ai fait l'école de théâtre, l'Académie nationale d'art dramatique, et j'ai commencé naturellement avec le théâtre. Mais en Italie, il y avait dans quelques années, pendant les années passées, cette stéréotype par lequel les acteurs de théâtre ne doivent faire que du théâtre. Les acteurs de cinéma ne doivent faire que du cinéma. Les acteurs de la télévision ne doivent faire que la télévision. Moi, je suis toujours pensé que c'est une bêtise. Je voulais être acteur à part le moyen. Et alors, j'ai commencé avec le théâtre. Je suis, comme on dit, construit une expérience assez bien, assez bon, assez forte comme acteur de théâtre. Et après, j'ai commencé à essayer de faire d'autres. J'ai eu de la chance, j'ai rencontré beaucoup de cinéastes. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance de rencontrer soit les grands cinéastes italiens, Ettore Scola, Mario Monicelli, Marco Ferreri, et tout ça. Et aussi le jeune metteur en scène, le jeune quand j'étais moi plus jeune, de ma génération, Giuseppe Tornatore, Enrico Togliatti, qui c'était le fils de Ugo, Francesca Archibugi, et tout ça, Marco Bellocchio, Gianni Amelio, le grand metteur en scène italien. Et alors je construis cette carrière. À un certain moment, je me suis dit, bon, ça suffit de faire l'acteur, parce que il arrive un moment dans le métier de l'acteur où tu commences à être le stéréotype de toi-même. Tu fais le monument à toi-même. Tu ne joues plus. Tu joues la même chose, toujours. Alors je me suis dit, il faut recommencer à se sentir un peu étudiant. Et la meilleure occasion pour commencer à être de nouveau comme un étudiant et à ressentir la panique. Et c'est la seule chose qui fait vivre un acteur, un artiste, la peur. Quand tu es là sur le plateau, quand tu un film, tout ça, c'était de recommencer avec un autre métier, c'est de commencer comme ça le métier de metteur en scène, d'écrivain, grâce aussi au livre que Margaret a écrit, tout ça. N'oublie pas que moi et Margaret, nous ne sommes jamais seuls parce que nous sommes surveillés par 4 enfants, toute la journée, de différents âges et tout ça.
le texte. Le texte, c'est la chose fondamentale. Sans l'écriture, n'existe pas le théâtre. Sans l'écriture, n'existe pas le cinéma. Avant le texte, dans le cinéma, je pense qu'il y a le dialogue. Rarement un film est écrit par quelqu'un tout seul. La majorité de cinéma est toujours écrite entre quelqu'un qui parle avec quelqu'un d'autre. La grande tradition de cinéaste italien, la grande tradition de scénariste italien, il était toujours un couple, en quelque monde. Ça m'échappe pour l'italien, etc. Et alors, l'écriture, c'est le premier geste, je dirais le DNA de n'importe quoi, geste artistique. La chance que j'ai eue en plus par rapport à c'est que la possibilité de travailler sur un livre, c'est une grande chance, c'est une grande opportunité, parce que tu as un procès dramaturgique déjà conclu, déjà construit, déjà développé, tu as la possibilité d'avoir des personnages, de dialogues, de thèmes moraux en plus. Et alors, écrire un film par un livre, c'est particulièrement, je pense, passionnant. Et bien d'autres, même avec des Français comme Rivette, vous avez vu l'extrait. Luc Besson. Luc Besson, je dis autant, et bien d'autres. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui t'ont influencé comme réalisateur? Besson, ça veut dire qu'un acteur, c'est un voleur. Un metteur en scène, c'est un voleur. Michael Caine disait une chose magnifique quand il faisait dans une école de théâtre, il disait à ses étudiants, si vous voyez un acteur qui fait une chose bien, volez là, parce qu'il a volé sûrement quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une profonde vérité. Et ça passe aussi pour le metteur en scène. J'arrive à dire, je ne dirai jamais le nom, qu'on a commencé de pas par les idiots. On comprend très bien qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, par exemple. Et ça, c'est déjà quelque chose. Il faut être très humble, et dans le même temps, très mégalomane, pour décider de faire un film, de construire un univers. Il faut gérer ces deux sentiments très différents. Très humble, très, comme je disais avant, de sacrifier la panique, de n'arriver pas à imaginer quelque chose, et dans le même temps, il faut avoir un esprit très macaronat à l'idée d'être capable de construire un univers. Non. Qu'est-ce que j'ai appris par ça? J'ai appris que le langage, le cinéma, c'est toujours le même pour tous. Il n'y a pas cette grande différence entre l'angoisse d'Andrew Adamson qui n'arrive pas à penser qu'il arrivera à faire la scène de Prince of Caspian, ou l'angoisse d'un jeune terrassier qui fait un petit film et tout ça. Disons que l'écriture artistique du cinéma, moi je le trouvais à la fin assez universel. C'est pour ça que tout le monde voir des films japonais sans le sous-titre et comprendre quelque chose. Parce qu'il y a une partiture, cet art a une partiture invisible qui peut être comprise. Et bien sûr, il existe le cinéma italien, le cinéma français, le cinéma américain, mais plus le temps passe, plus je ressens moins cette désir de définir et de trouver les différences entre les différents cinémas. Travailler avec le grand metteur en scène avec lequel je me suis senti un étudiant. Je me souviens bien le premier jour que j'étais sur le plateau d'Ettore Scola pour La Famille, que c'est un grand film qui avait fait il y a longtemps. Il y avait Vittorio Gassman, Fanny Ardant, Stefania Sandrelli et tout ça. Et en plus, il y avait moi et des autres très très jeunes, cet homme-là, jeune acteur italien qui était terrorisé par cette énorme maison reconstruite à Cinecittà. Et voilà. Et pendant la pause, où je voyais Ettore qui descendait, qui faisait faire la pause, je le voyais se promener avec Federico Fellini par le petit rue de Cinecittà. Et nous, les jeunes, restaient comme ça, malheureusement. Et voilà. Okay.
Et en plus, j'ai eu la chance de travailler avec le metteur en scène qui avait la même âge à moi, et on avait le même conflit en commun, le même projet pour l'avenir, et peut-être aussi le même passé, la même névrose du passé, en quelque sorte. Ce sont des expériences différentes, mais qui vont nourrir l'un l'autre. Qui vont vers en français, c'est Couteau avec Penelope Cruz. Elle qui a des contrats avec des multinationales de produits de beauté, comment avais-tu pu la convaincre de s'en dire? Elle avait, quand elle a lu le livre de Margaret, elle a raconté après qu'elle avait commencé à pleurer, elle était sur un vol Los Angeles, Madrid, et quand elle est arrivée à Madrid, elle a demandé de ce projet qu'ils allaient en train de construire. Moi, la première fois, je l'avais rencontré à Paris, dans un hôtel de Paris, et je lui ai dit tout de suite, écoutez, moi, je n'ai pas besoin d'une star, moi, j'ai besoin d'un acteur. Et elle m'a répondu, moi, j'aurais besoin de quelqu'un qui me dit ça, qui n'a pas besoin d'une star, mais a besoin d'un acteur. Et elle était très intelligente, elle avait tout un... immédiatement compris que derrière ce personnage il y avait une possibilité pour un acteur extraordinaire et que se faire le tourir de sa propre beauté, c'était le premier geste de l'intelligence. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut devenir acteur d'abord au théâtre? De faire du théâtre avant tout. Ensuite le cinéma. Non, mais aussi, si je veux faire du cinéma, de faire du théâtre. Parce que le théâtre, c'est une base fondamentale pour comprendre. Il y a des grands acteurs qui n'ont pas fait, jamais fait le théâtre peut-être, mais qu'est-ce qui te donne le théâtre pour de substantiel dans ton métier? C'est assez formidable. Ça, c'est ma expérience personnelle. Je peux seulement leur donner le conseil de comprendre le plus vite possible s'il a du talent. Parce que s'il a du talent, on peut souffrir pour ce métier. Mais souffrir sans talent, c'est très triste. Et ça suffit de te dire qui a un mot en français. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oh.